Salut à tous, c'est Okone et bienvenue sur League of Legends. Avant que la game commence et que je vous explique comment j'ai fait une game aussi folle et comment je me suis entraîné aussi rapidement, il faut que je vous parle de l'application Quarterback. C'est l'application dont on est partenaire et qui m'a permis de m'améliorer. Alors après, c'est juste moi comment j'utilise. D'autres vont l'utiliser très différemment pour avoir des skins gratuits, etc. Je vous explique. En gros, l'application Quarterback, vous avez le lien en description, dans les commentaires et tout. Le lien va vous permettre de rejoindre notre club très vite. Vous pouvez m'ajouter en ami, il n'y a aucun souci. En gros, vous allez rejoindre le club Rukonei. Alors, l'image ici va peut-être changer en une image comme ça ou comme ça. On va voir. Vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. Du coup, en quoi consiste l'application? L'application consiste à vous lancer des défis. Par exemple, vous allez lancer une partie en ranked, solo. Donc, vous pouvez aussi aller en ARAM, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir le défi que vous voulez. Max kill, max assist, best KDA, max CS. Et ensuite, en fait, tu vas défier de 1 à 8 joueurs. Plus vous êtes nombreux, plus il y aura de pièces à gagner. C'est 20 pièces supplémentaires par joueur qui sont dans le défi. Donc, invite tes potes et tout dans le défi si tu veux. Et si par exemple, à la fin de la game, tu as 38 kills et que les autres en ont 12, bah, tu vas récolter des pièces. Mais à quoi servent ces pièces-là? Avec les pièces, tu vas pouvoir t'acheter des skins. Tu vas pouvoir t'acheter des skins, par exemple là tu as tous les skins du jeu qui sont achetables dans la boutique. Mais il y a aussi des genres de tombola, des cagnottes ou des trucs comme ça. Donc là par exemple, il y a tous les skins KDA que tu peux gagner en achetant des tickets. Par exemple là moi j'ai acheté un ticket déjà, j'en ai acheté un pour 350 pièces, ce qui... Tu gagnes 2-3 défis, c'est bon, tu peux t'acheter déjà un ticket. Et tu auras une chance sur 90. Bon là il reste 85 heures, donc ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 300 personnes, 200 personnes. Donc t'as quand même beaucoup de chance. Tu peux acheter d'autres tickets. Par exemple là je vais en racheter un. Donc là j'ai 2 chances sur 90 de gagner tous les skins de KDA actuellement. Donc ça c'est pour ceux qui ont la flemme d'aller chercher les 20 000 pièces. Vous pouvez au moins acheter facilement ce genre de tombola. Donc il y a beaucoup de joueurs qui vont utiliser cette application pour avoir des skins gratuits. Et ça se comprend, c'est sûr. Sauf que moi j'ai trouvé une autre façon d'utiliser, c'est-à-dire que moi, j'ai des gros problèmes en CS. J'ai des gros problèmes en CS avec mon farm. Par exemple, à 20 minutes, des fois j'avais 100 CS, voire moins. Et c'était catastrophique. Et du coup, j'ai lancé le max CS et je me suis concentré en faisant le max CS. Et vous allez voir pendant la game, c'est hallucinant comment j'ai l'impression d'avoir step up. Donc je me suis amélioré de ouf. Et parce que je pensais pas que les CS étaient aussi importants et que je pouvais autant me mouvoir sur la carte et pouvoir les aider. Vous allez voir, c'est quand même assez stylé pendant la game. Je continue quand même l'explication. Sur le site, je vais revenir sur le site ici. Pour télécharger l'application, il va falloir cliquer sur Play ici et cliquer sur Start a Challenge. Et là, ils vont vous demander est-ce que vous voulez télécharger l'application. Vous faites télécharger, ça marche avec l'application Overwolf. Donc Overwolf, c'est le truc ici. Et vous allez avoir Quarterback juste après. Donc voilà. Vous allez aussi créer votre compte, évidemment. Vous allez pouvoir changer votre profil, etc. en cliquant ici. Vous mettez l'avatar que vous voulez. Alors pourquoi rejoindre le club? Le MVP du club, donc là, actuellement, c'est Emilia. L'ancien MVP, c'était Kiri Shimaken. Et en fait, le MVP du club, à la fin de la saison, donc la saison, ça dure une semaine. Donc là, la saison vient juste de commencer. Donc on a une semaine, vous avez une semaine pour faire le maximum de challenge. Et si vous êtes MVP du club, vous allez avoir 10 000 pièces bonus. Et si vous êtes premier du club, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de trophées aussi. Et si vous avez des trophées, vous allez pouvoir avoir encore 10 000 pièces, 25 000 ou 45 000. Alors, les trophées, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à donc avoir soit les 10 000 pièces, 25 000 ou 40 000 pièces quand on a beaucoup, ou tout simplement à être MVP du club. Là, c'est Emilia qui en a 129. Comment avoir les trophées? Bah, tu gagnes les challenges. Quand t'es premier, t'en as 40, deuxième, 20, troisième, 12... 8, après je crois que c'est 0, et après tu peux en perdre, donc ne lance pas les challenges et ne les fais pas, parce que sinon tu vas en perdre 8, je crois. Là par exemple en historique, je crois que j'en ai abandonné 2, et tu vois j'ai fait moins 8, moins 8, donc là je suis à moins 16, donc tu peux être en négatif, donc fais attention. Et par exemple là j'ai fini 2ème, la 8ème, la 2ème, la 1er, c'était quoi? Ah oui, c'était le truc de kill. J'ai battu le mec, 0.08, c'était insane. Genre, j'ai eu vraiment trop de chance. Et là, du coup, j'ai gagné 40 trophées. Et avec les 40 trophées, voilà, j'aurais pu être 7ème. Voilà, tout simplement. Autre chose, dans Summoner, dans les settings, il faut lier votre compte Summoner Link. Je vais pas vous montrer parce que je crois que je peux pas vous montrer mon code personnel. En gros, ils vont te dire d'aller sur League of Legends, sur ton compte, tu vas dans l'engrenage. Tu fais vérification et là tu mets le code qu'on t'a donné, tu fais down et après tu fais genre vérifie et après normalement ça passe. Donc maintenant tout simplement comment jouer, tu vas tout simplement dans l'application, par exemple là je vais jouer
je vais partir en enquête solo. Hop, je fais mid, mid top. Voilà, tu y vas. Hop, je fais play. Allez, vas-y, on va faire un max CS. Je fais start the challenge. Hop, donc là on est déjà 4 dans le défi, il y en a qui vont nous rejoindre. Tu peux inviter tes amis, tu vois, tu verras tes amis à droite, ou tu les verras aussi à gauche dans le club. Donc là je peux les inviter, et après là hop, je fais play now, l'application se met en petit. Donc après t'as des raccourcis pour l'afficher en game, etc. L'application, tu peux la lancer avant, et tu peux la lancer à la dernière minute que la game commence. Donc en loading screen, donc le temps de chargement, l'image de chargement, tu peux lancer ton défi. Fais attention parce que si tout le monde cherche super vite, tu peux te faire avoir. Du coup, lance pendant la draft, comme ça c'est plus ou moins safe. Donc voilà, je vous laisse avec la game maintenant. J'ai fait un défi max CS et vous allez voir que moi ça m'a amélioré de ouf dans mon attitude à mieux farmer. Et c'est hallucinant comme quoi j'ai eu un objet gratuit juste avec le farm. Et en me mettant le fait que je devais farmer, ça a complètement changé mon gameplay et moi ça m'a énormément aidé. J'espère que pour vous ça va vous aider aussi à mieux farmer. Peut-être qu'il y aura les max kills aussi, peut-être qu'il y en a qui jouent un petit peu trop dans leur coin. Peut-être que les max kills vont vous aider. Bref, amusez-vous avec l'application. On est en stream pour justement tryhard avec vous. On fera des challenges ensemble, on va se mettre tous dans le club si vous voulez. Bonne chance tout le monde. C'est quelle touche pour réduire la fenêtre du coup? Alors c'est CTRL et à gauche de ma touche entrée moi. Genre les guillemets. Obligé d'avoir l'appli d'ouvert pour être au challenge. Ouais. Ok, c'est parti. Bon, cette fois-ci, on foire pas. Je vais prendre vraiment le Lost Chapter. Mon premier bac, c'est à 1300 gold. Donc, je rappelle, je vais faire un challenge CS. Et en même temps, je fais le challenge CS, mais en même temps, ça me... Comment dire? Je fais pas... Je vais essayer de gagner, évidemment. Mon faible CS impacte vraiment dans la game. Parce que je suis quelqu'un qui farme très très mal. Et du coup, me concentrer là-dessus, ça peut être bien. Ok, c'est un Nautilus Jungle. Très bien. Elle a commencé avec Q ou pas? Alors, Nautilus Jungle, est-ce qu'ils peuvent me déchirer à deux? 6 sur 6, c'est fait. C'est bon. Ah merde. On a raté un CS, c'est bon, c'est mort. On recommence tout. C'est une blague. Bon, on a raté un CS. On la met un peu mal, peut-être. Je push un peu trop. Je vais warder ici, hop. Je sais pas où est le Nautilus, ça me fait un peu peur. Ok, faudrait que je la tue, mais pas sous sa tour. Parce qu'elle a son passif de l'œuf, on connaît, hein, évidemment. J'ai envie de l'agresser, mais je vais attendre le jungler parce que je veux vraiment farm, en fait. Là, tu vois, j'aurais été quelqu'un qui... J'aurais fait mon combo, en fait. Je l'aurais mis à 10%, peut-être. Et là, si je rate mon combo, j'ai plus de mana et je peux plus farmer. Il y a peut-être Nautilus qui arrive sur moi, là. Tu vois, j'ai envie de l'agresser comme ça, mais... Est-ce que finalement, ça vaut vraiment le coup? De plus avoir de mana après un combo. Putain, barrez-vous les minions! Je suis un malade, plus jamais je fais ça, c'est de la merde. Ok, merci gros. C'est trop risqué ce que je fais, je devrais me concentrer sur le farm. J'ai pile assez pour mon last chapter, mais c'était débile. Plus jamais je fais ça, c'est de la merde. Je crois que c'est un kill ça. Bien joué les gars. Du coup là hop, on prend Lost Chapter et on est bon. Ok, 49 CS à 6 minutes. Ça m'a pas l'air trop dégueulasse. Je vais aller gank la bot lane. Ah. Du coup non. Donc je rappelle là, je fais un challenge avec 7 ou 8 autres participants. Il faut que je sois devant eux en termes de CS. Je sais pas où est Nautilus. Ça me fait trop peur de pas avoir de vision ici. 45 secondes. Est-ce que je vais rater le canon? Non. Hop. Ok, je push vite. Si, elle me respecte en vrai. Ok, 1300 gold. 71 CS à 8 minutes, c'est... Franchement, d'habitude, je suis à 30 CS. D'habitude, je suis à 30-40 CS. Je suis sûr, avec des challenges comme ça, je suis sûr, ça va débloquer des trucs à des gens. Même moi, hein, là, ça peut me débloquer un truc. Hein. Parce que je roam trop et je suis trop agressif. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que je perds des games parce que l'ennemi, il attend juste mes erreurs comme un... Bah, passivement, quoi. Bon, là, c'est bon, normalement, je vais peut-être rater... Putain, c'est bien ça. J'ai raté juste un CS.
Oh, j'ai eu trop de chance, ok. Parce que normalement, je suis censé... Fuck. Je vais cancel son truc à lui. Ah, elle a son 9. Fuck, j'avais trop bien... En fait, j'avais bien joué, vite fait. Il y a juste, bah, je me suis bloqué dans mon mur. Mais j'avais cancel le grab de Nautilus. Je perds 7 CS, 8, 7 CS, voire plus. Fait chier. Il y a qu'un bonus de victoire, du coup, je peux pas faire non plus n'importe quoi. Elle a plus son 9, là. Oh, ouais, d'accord, c'est la mort, là. À l'aide ? Eh, mais mourrez tous ! Merci, mec. J'avais tellement besoin de ce kill parce que là, qu'on me flash et tout, c'est un peu... Par contre, je pensais qu'elle avait son ultime, du coup, c'est bien ça aussi. J'aurais pu le tuer. J'aurais pu le tuer, elle avait l'aggro de la tour, j'ai l'impression. Les dégâts! Les dégâts! Non, mais je vais jouer. Non, mais je vais devenir au Tépétalien, fuck Nathan. Comment ça se passe, mec? Mais gros! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, c'est du int, ça! Oh, le mur. Oh, le mur de mort. Oh, je me fais pas toucher ici, trop bien. Non! Oh, je vais me prendre une tour. Bon, c'était du int. Ouais, moi, je vais à la botlane. Hein. Je vais aller faire le blue buff, le carapateur. Amusez-vous à la midlane, les gars. Oh, je vais aller prendre le farm à la botlane, là. Pas le temps de faire le gromp. Hop, 124 CS, c'est pas mal, hein. C'est vraiment... En fait, vous vous rendez pas compte, mais... normalement, je suis à 60 CS, là. No joke, hein. On a raté le canon. On a raté le canon. T'as le droit de mourir quand même. Putain, j'ai même pas eu le kill. Là, on fait un défi max CS. En fait, moi, c'est parce que ça m'entraîne aussi, parce que je suis quelqu'un qui farme très très mal. Et ça me fait trop trop plaisir de voir que si je me concentre bien, finalement, le farm, bah, je peux l'avoir, en fait. J'ai raté un CS, là. Ok, 180 CS. Eh, j'ai presque réussi le 200 CS à 20 minutes. On va se prendre un petit Riley. Le Riley, c'est bien. Le Riley, c'est bien. Contre un Trigdammer, c'est cool. Je vais vendre mes potions rechargeables à 20 minutes, on s'en bat les couilles, surtout que je veux trop trop de la vision en fait. Bon là le truc par contre, j'étais pas du tout avec mon équipe, mais j'attirais toujours quelqu'un, voire deux. Je les mettais mal, la Xayah à la flash, des trucs comme ça. Je vais aller faire ça vite fait, je vais aller faire mon blue buff. Par exemple, avant je faisais jamais le blue buff en fait. Je le laissais tout le temps pour mon jungler et finalement bah... Maintenant je le fais. Et je faisais tout pour pas mourir et finalement c'était trop bien. Pas de chance. Pourquoi je int? Pourquoi? Tu vois, c'est comme ça que je joue habituellement. Comme un gros débile. Oh, je me sens mal, ça fait au moins 30 secondes que j'ai pas farmé là. C'est bon, je les bloque. XD, je l'ai tué au lieu d'un écho. Tout était calculé évidemment. Attention le mur! Oh oui, let's go! Boum, 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 boum! Boum! Is this the pentakill? Non. Ah, quoique. Ça dégage! Oh, merde. Oh non! Oh, j'ai foiré, j'ai mal calculé mon truc. 211 CS, 24 minutes, c'est ok. Oh, je vais avoir 50%. Ok! Ça me va! Ça me va! J'ai copié ma teinture, mais pas du tout, mec. C'est juste que là, j'ai fait la décoloration et après, j'ai mis le rose. Et là, c'est en train de décolorer parce que je fais parfois des shampoings. Bon, est-ce qu'on était bien, là, dans le challenge? Oh, attends. Me dis pas que j'ai pas lancé la game. Et me dis pas que j'ai pas lancé le logiciel. Non, c'est bon, ça a fonctionné. Quoi? Il a 341? Oh, 424.
Oh, je l'ai éclaté. Alors, pour l'instant, on est premier, il reste 30 minutes. C'est insane que le farm puisse autant changer. Je pensais pas que le farm était aussi important que ça. Super intéressant, en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve en live pour du Ultra Tryhard avec l'application. Et si vous avez des questions, je serai disponible en live pour vos questions. Et puis, à tout de suite sur le stream. Lien dans la description. À tout de suite. Tchou.